de l'AFSA, l'Assemblée des, enfin, la Fédération des établissements français d'Amérique du Nord, n'est-ce pas? Et ce monsieur-là, je lui dis, mais raconte. Il me dit, il est incroyable. Il est dans notre sujet. Il nous fallait donc un éclairage, un témoin sur cette question de l'interculturel au service d'une relation, d'une construction sociale comme l'école. Et il a dit, c'est Derrick Gay qui est là, qui a plein de cordes à son arc, mais elles ont cette caractéristique, un peu comme les participants de la table ronde tout à l'heure le montraient, c'est à la fois une réflexion enracinée dans la recherche, c'est une réflexion enracinée dans les géographies du monde, parce que vous avez vécu, travaillé dans un grand nombre de pays finalement. Et c'est une réflexion enracinée dans la pratique sociale. On peut dire ça comme ça, Derrick Gay? Alors donc, j'en dirai pas plus. Merci. Bonjour. Bonjour. Aux États-Unis, on répond quand on dit bonjour. Je suis très content d'être là avec vous pour parler de ce thème très important de la diversité. Comme vous entendez très bien, je suis américain, donc je vais parler du contexte américain de la diversité dans les établissements scolaires aux États-Unis. Ça fait 20 ans que je travaille aux États-Unis dans ce domaine, donc j'aimerais bien partager quelques leçons que j'ai apprises. Alors, on va aborder quelques questions. Pourquoi parler de la diversité? C'est quoi la diversité en fait? Quels sont les problèmes avec le concept de diversité aux États-Unis? Quelles sont les différences entre la diversité, l'inclusion, l'égalité, l'équité et la justice? Et pourquoi c'est important? Et aussi quelques conseils, quelques bonnes pratiques. J'aimerais bien commencer avec une petite anecdote, une petite histoire qui, je crois, illustre les problèmes avec le concept de la diversité aux États-Unis. J'étais professeur d'espagnol, professeur de musique dans une école aux États-Unis à New York, une école de filles. Aussi, j'étais administrateur de la diversité. Alors, comme c'est une école privée, il y a un processus pour admission. Alors, les parents venaient pour me parler. J'étais directeur de la diversité pour savoir connaître la culture de l'école. Alors, les parents venaient. Et il demandait, oui, j'ai rendez-vous avec le docteur Gay, je comprends bien, il est sur le sixième étage, mais il est comment? Alors, les parents de l'école, oui, il est formidable, c'était le prof de ma fille, de l'espagnol, très, très sympa, mais il est comment? Il est blond, il est brun? Non, il est chauve, ok. Mais il est chinois, il est noir, il est blanc. Ouf, moi, je ne vois pas ce genre de truc. Non, je ne vois pas. Mais ça aide, non? Parce que j'étais le seul homme noir, beau, bien sûr, de l'école. Mais on hésitait à dire que je suis black, que je suis noir, parce qu'on ne voulait pas reconnaître la différence. Mais on parle de la diversité qui est là-bas, c'est la différence. Alors, quelques problèmes on a d'abord, c'est qu'on a peur de parler de la différence. On parle de l'égalité, l'égalité, sans reconnaître les différences. Il faut parler des deux. Et on suppose que tout le monde comprend ce qui est normal. Donc, on parle de la diversité, ça devient une identité. Quand on parle, par exemple, de la race aux États-Unis, on ne parle pas des blancs, c'est toujours les gens de couleur. Quand on parle du genre aux États-Unis, même si les femmes représentent 52% de la population, on dit que les femmes sont les minorités aux États-Unis. Ça devient une identité. On parle toujours de l'égalité, l'égalité, même quand on a beaucoup de problèmes sociaux. Et on parle de l'école comme un espace neutre, qui est impossible. L'acte de choisir le curriculum, l'acte de choisir la pédagogie, l'acte de choisir qui on va étudier, qui on ne va pas étudier, quel art on va étudier, qui a fait des contributions à la science, etc. Ce n'est pas neutre, c'est toujours un peu de la politique. Il faut reconnaître ça.
Alors, quand on pense à la diversité et l'inclusion aux États-Unis, il y a bien sûr excellence en éducation, qui est très important. Il y a le bien-être de l'étudiant, bien sûr. C'est impliquer la communauté aussi. Ce n'est pas que l'école soit pas partie des autres institutions. Et l'environnement inclusif, c'est la diversité et l'inclusion. Alors, pourquoi parler de la diversité culturelle et l'inclusion au-delà des arguments moraux? Le monde change. La plus grande banque du monde n'a pas de liquidité. La plus grande compagnie de taxi ne possède pas de taxi. Le propriétaire de médias le plus populaire du monde ne produit pas de contenu. Et la plus grande compagnie hôtelière du monde ne possède pas de chambre. Ouais. Donc le monde change, il y a des implications pour les connaissances, les compétences, les outils dont les élèves auront besoin. Alors le contexte actuel, on a la mondialisation, bien sûr, ce monde interconnecté, économie, société, etc. La révolution technologique, la migration globale, l'économie mondiale interconnectée, la collaboration, la réification des ressources et les démographies changeantes. Dans le contexte aux États-Unis, on a 55 millions d'Américains parlent au moins deux langues chez eux. Ça, c'est nouveau pour nous parce qu'avant, quand on venait aux États-Unis pour devenir citoyen, c'est laisser la langue maternelle pour parler l'anglais, même si on n'a pas de langue officielle aux États-Unis. En 2020, les ouvriers de plus de 55 ans représenteront 25% de la population. Donc, on vit plus long, on travaille aussi. Donc, dans nos entreprises, dans nos écoles, on a des générations différentes, 3 ou 4 générations différentes. En 2043, les blancs deviendront une minorité. J'étais dans un collège et un étudiant de 12 ans, il m'a demandé « Est-ce que ça va passer le 1er juin de 2043 ?» Je lui ai dit « Non, c'est le 3 mars, en fait, ça va passer. » très important, comme je disais tout à l'heure, quand on parle de la race aux États-Unis, on ne parle pas des blancs, ça devient invisible. Et on a un terme qui est intéressant aussi, on parle d'un majorité minoritaire, qui est très intéressant. Je ne suis pas fort en maths, mais normalement, si tu es à majorité minoritaire, tu es à majorité. Mais ça parle d'une idéologie. Non? 6 millions d'enfants et d'adultes américains ont un parent LGBTQ, lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer. Et le mariage a été légalisé en 2015. Donc on pense de ce qui constitue une famille et la représentation dans le curriculum, bien sûr. 150 000 étudiants entre l'âge de 13 et 17 ans s'identifient comme transgenres aux États-Unis. Et on parle de plus en plus de cette population. La part des richesses possédée par 0,1% des Américains les plus riches est presque équivalente à celle de 90% de la population restante, alors la diversité socio-économique. Et les Américains en situation de handicap, la minorité la plus importante, avec plus de 49 millions. Donc, et je partage ces statistiques pour vous donner une idée de l'immensité du cadre de la diversité et de d'identité. Alors, pour revenir à cette question, Tony Wagner de Harvard Graduate School of Education, l'école d'éducation, a posé cette question à 600 PDG, chefs d'entreprise. Il leur a demandé de quelles qualités nos étudiants ont-ils besoin au XXIe siècle pour réussir à l'école, dans leur carrière et dans la citoyenneté. Alors, une question très pratique pour parler de la diversité. Ils ont répondu, ils ont identifié ces compétences. L'esprit critique, alors pour analyser, la communication complexe, orale, écrite, le leadership et collaboration, maîtrise des outils numériques et informatiques, adaptabilité et sens de l'initiative, intégrité et choix éthique, et bien sûr la compétence culturelle
et perspective globale. C'est plutôt nouveau en fonction du monde du XXIe siècle et de la mondialisation, cette idée, cette notion de la compétence culturelle. Alors, pourquoi la diversité ? Avec les compagnies, les entreprises, soit c'est pour une raison de la justice sociale, la conformité légale, ou bien l'avantage compétitif. On a beaucoup de recherches, beaucoup d'études qui trouvent qu'une équipe ou une main-d'œuvre avec des perspectives différentes, des manières différentes de résoudre des problèmes et de générer des solutions plus créatives, génère des solutions plus créatives et gagne plus d'argent. Scott Page, qui est un professeur de l'Université de Michigan, dans son livre The Difference, m'a trouvé que des groupes de réflexion divers surpassent les groupes de pensée homogènes, bien sûr. Et quand on pense à la diversité de la pensée, c'est les perspectives diverses, les personnes ont des manières différentes de représenter les problèmes, les interprétations diverses, les différences dans les façons d'organiser le monde, et les heuristiques diverses, on a des façons différentes de générer les problèmes. La diversité et la résolution des problèmes, plus un groupe est homogène, plus il favorise la rigidité, le manque d'esprit critique et une vision stéréotypée de l'autre, qui va en contre de la diversité et de l'inclusion. Mais aussi, on voit il y a de la tension entre l'idée que nous sommes tous égaux et le manque dans les entreprises, surtout des femmes aux États-Unis et des personnes de couleur en particulier, dans la représentation du leadership. Alors, j'ai quelques exemples pour partager avec vous. Ça, c'est donc l'entreprise aux États-Unis, PayPal. Ça existe en France aussi pour... vous connaissez PayPal? Oui, parfait. Alors, ils avaient cette bonne idée d'explorer les thèmes du genre. Alors, ils ont, au milieu du travail, donc ils ont assemblé un panel, une commission d'experts pour parler du genre. Je ne sais pas si vous pouvez voir des hommes, une perspective très importante qui manque là pour parler du genre et de l'inclusion. Ici, c'est les États-Unis, c'est il y a 3 ans, je crois, un débat dans le Sénat. Qui parlait les droits des femmes en matière de procréation. Bien sûr, il y avait des gens qui voyaient rien de mal avec ça, et des autres, ils ont choisi des experts pour parler. Peut-être c'est plus facile pour voir avec ce panel qui était choisi pour la distribution de Viagra. Je parlais dans une université, un professeur qui avait peut-être 30 ans d'expérience, il m'a dit « Vous rigolez maintenant, jeune homme, vous rigolez maintenant !» J'ai dit « Oui, monsieur. » Voilà, c'est le savon Dove, une publicité qu'ils ont passée, c'est avant et après. On a une belle fille noire qui, après utiliser le savon, elle devient blanche. Ouais. Ils ont refait la même chose il y a 2 mois, la même chose. Il y avait des gens qui disaient non, c'est pas ça, non, ils ne disaient pas ça, mais là c'est plus concret. Dove Summer Glow and Soft Shimmer, c'est une lotion pour la peau normale et la peau foncée. Normal, oui. Donc j'utilise pas cette lotion alors. Alors, on parle de la diversité. Voilà un petit blague là. Personne n'est divers, je dis. Personne n'est divers. Quand on parle de diversité, on parle de la différence, pas différent. Donc, on ne dit pas que ce groupe est différent. On dit qu'on est tous différents. Et aucun groupe n'est divers. Il y a de la diversité entre les membres d'un groupe. Et l'inclusion, c'est différent. L'inclusion, c'est un sentiment d'appartenance. Alors, c'est très possible d'avoir un groupe divers avec des gens différents et ne pas avoir l'inclusion. En fait, quand je travaille avec des écoles internationales, et des écoles aux États-Unis, dans d'autres pays, ils me disent, oui, on a des gens, on a des Italiens, des Français, des Suédois, des Africains, blablabla. Et je dis, oui, vous êtes très divers, mais est-ce que vous avez
Est-ce que vous savez que si chaque membre ressent le même sens d'appartenir? Donc on part de la perspective globale. C'est développer l'ouverture d'esprit, en particulier en ce qui concerne les valeurs et les traditions des autres, en reconnaissant qu'on est tous un autre. Développer les compétences avec une langue internationale, parce qu'apprendre une langue, normalement, on apprend aussi la culture. Utiliser la technologie pour se connecter avec des personnes et événements dans le monde. Développer des compétences sociales et intellectuelles pour naviguer efficacement entre les cultures. Et apprendre de et travailler en collaboration avec des individus et cultures, religions et les modes de vie différents dans un esprit de respect mutuel et de dialogue ouvert. Et vous voyez, on n'a pas utilisé, comme on a dit tout à l'heure, tolérance. Tolérance, c'est j'accepte qu'on est différent. Et normalement, les gens qui sont tolérants, c'est que moi je gagne, toi tu perds. Et on va laisser comme ça. Oui. Alors, j'entends ça des gens qui disent on n'a pas besoin de diversité, on est tous égaux, vous exagérez. On dit oui, on est tous des gens bien, pourquoi vous parlez de ça? Oui, on sait. On est tous des gens bien, mais on ne sont pas parfaits. Oui. On a tous des stéréotypes, on a tous des cultures différentes, et des bons gens doivent comprendre que pour être des bons gens, il faut reconnaître qu'on n'est pas parfait, qu'on a tous des stéréotypes des autres qu'il faut examiner, on a tous des biais implicites. Quand je travaille avec des gosses, ils disent « oui, les enfants ne voient pas des différences », et bien sûr, les enfants voient des différences. Je travaille pour Sesame Street, comment on dit en français? Place Sésame? Oui, alors je travaille avec, je fais de la recherche, pour, on met des gamins de 30 ans, 40, 4 ans, et moi je travaille dans la recherche pour écrire des scènes. Alors pour faire de la recherche, je visite les écoles. Alors une fois j'étais dans une école, j'entre dans la salle de classe, il y a une petite gamine de 3 ans je crois. Elle est blonde, blanche, yeux bleus. Elle me voit et elle fait oh. Alors je parle avec le prof, je dis peut-être c'est parce que je suis un homme, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes professeurs dans l'école. Peut-être c'est parce que je suis grand, ou peut-être c'est parce que je suis noir. C'est quelque chose de différent, c'est rien de mauvais, mais c'est différent pour elle. Alors je m'approche d'elle et je dis mais ça va? Elle dit non. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit avec vos cheveux. Je dis ok, j'ai pas de cheveux, mais on aurait pu répondre d'une manière différente. D'abord, c'est le prof qui dit non, on ne dit pas c'est un invité, c'est le docteur Gay, machin, non, on ne voit pas les différences, mais non, j'ai parlé avec elle, j'ai dit oui, vous avez les cheveux blonds, moi je n'ai pas de cheveux, mais vous avez des collègues, vous avez des amis ici, lui il a des cheveux bruns, elle a des tresses, vous avez des cheveux différents, alors j'espère que tu ne joues pas avec eux. Elle dit, mais pourquoi? Je dis, mais ils sont différents. Elle dit, non, je joue avec eux. Je dis, alors c'est possible d'avoir les différences et être amis aussi? Elle dit, oui, c'est possible. Je dis, ok, merci. Il faut parler de différences. Alors, la stratégie, alors, c'est la compétence culturelle. C'est quoi? La compétence culturelle est un ensemble de comportements, d'attitudes et de politiques congruents qui se réunissent dans un système, une agence ou entre des professionnels et qui permet à ce système, à cette agence ou à ces professions de travailler efficacement dans des situations interculturelles. Ça veut dire, si c'est au niveau du système, il faut commencer avec l'individu. Au niveau individuel, cela signifie un examen de sa propre attitude et de ses valeurs et l'acquisition des valeurs, des connaissances, des compétences et des attributs qui permettront à un individu de travailler de manière appropriée dans des situations interculturelles. Alors, on a des comportements, des pratiques, des politiques, des structures et des attitudes. Alors, pour développer la compétence culturelle, il faut commencer avec les connaissances, les compétences, la conscience et les attitudes, mais il faut commencer avec une connaissance de soi. Et après, pour pouvoir connaître l'autre. Ouais. Alors, ça veut dire quoi? Connaissance de soi, y compris la reconnaissance de ses propres identités. Et quand on parle de la culture ici,
Je crois qu'on parle des identités. Ce n'est pas juste la culture, ce qu'on mange, ce qu'on lit, la musique, c'est vraiment les identités. Et la culture fait partie des identités. Les normes culturelles, suppositions, angles morts et perspectives habituelles. La conscience des autres, alors y compris les identités visibles et invisibles, les hypothèses et les préjugés à travers lesquels nous voyons les autres, les horizons de notre empathie et la différence potentielle entre notre intention et notre impact. Sensibilisation à l'environnement, bien sûr, y compris les avantages et les inconvénients structurellement et systémiquement activés, et connaissances, langage, stratégie et compétences pour se connecter aux autres et cultiver l'équité afin de réaliser des objectifs communs et de prospérer mutuellement. Alors, ça vient de National Education Association aux États-Unis, Association nationale des États-Unis, qui dit que la compétence culturelle consiste à prendre conscience à sa propre identité culturelle et de son point de vue sur la différence, ainsi que de la capacité d'apprendre et développer des différentes normes culturelles et communautaires des élèves et de leurs familles. C'est la capacité de comprendre les différences entre groupes qui rendent chaque élève unique, tout en célébrant les variations entre les groupes qui font de notre pays une tapisserie. Cette compréhension informe et élargit les pratiques d'enseignement dans la salle de classe et l'éducateur culturellement compétent. Alors, l'identité, quand on parle de l'identité, on utilise souvent cette métaphore de l'iceberg. On voit le 10% de l'iceberg au-dessus de l'eau et on pense des comportements externes, manières, coutumes, langues, histoires, mais il y a toute une sorte, une variation d'identité au-dessus qu'on ne voit pas, les valeurs, les présomptions, les visions du monde, les modes de pensée qui, normalement, qui sont inconnus de la culture. Ça répond, comme on disait tout à l'heure, à la question « Qui suis-je ?» Oui, c'est la même question. C'est moi quand j'avais 2 ans. Avec beaucoup de cheveux. L'identité, c'est les traits, les caractéristiques, relations sociales et rôles qui informent le concept de soi ou les pensées et les sentiments passés, présents et futurs à propos de soi. Donc, ce n'est pas fixe, ça change. Quand je parle aux élèves, je leur dis que l'identité, c'est comme je suis similaire, comme je suis différent, comme je me perçois et comme vous, comme les autres me perçoivent. Ça, c'est l'identité. Alors, je fais de la recherche, alors j'ai demandé aux gens quelles sont les catégories d'identité que vous avez. Je vais partager avec vous les identités plus citées. Alors, ils ont dit la culture, la musique, les notes, c'est les élèves, ça fait partie de leur culture, de leurs identités. La nourriture, la religion, la profession, image de soi, aspiration, les passe-temps, popularité, l'enfance, orientation sexuelle, la race, l'ethnicité, nationalité, personnalité, éthique, vêtements, socio-économie, la famille, quartier où vous habitez, amitié, l'école, santé, l'éducation et le nom fait partie de l'identité. Alors, bien, la race, les compétences physiques aussi, intellectuelles, la religion, l'ethnicité, le genre, le sexe, le style d'apprentissage, ça fait partie de votre identité, l'âge, bien sûr, l'orientation sexuelle, on a déjà dit. On a l'identité affective, les émotions, les croyances, les opinions, les convictions, les valeurs. Identité comportementale, les styles de travail, si c'est plus individuel, travailler avec des gens, plus collaboration, les styles de communication, si c'est direct ou indirect, et l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions et à composer avec les émotions des autres personnes. Alors, un autre exemple de l'iceberg là, gastronomie, théâtre, mais au-dessus là, la perception de soi, motion du temps, éducation des enfants, rythme de travail, culte, résolution de conflits, les gens qu'on a dans la culture, notion de justice,
notion d'égalité, notion de liberté qui font aussi partie de l'identité, de la culture. Une autre métaphore qu'on utilise pour comprendre cette notion de la culture, c'est le poisson dans l'eau. Si vous demandez à un poisson de vous décrire la nature de l'eau, il ne peut pas te dire parce qu'il habite dans l'eau. Oui, c'est la culture. Mais si vous demandez à n'importe quel animal qui habite hors de l'eau, un écureuil, un ours, un lapin, ils peuvent te dire avec des nuances la nature de l'eau. Et ça, c'est vraiment la culture. Alors, un petit expériment on va faire. Vous allez regarder une vidéo et le devoir, c'est de compter combien de fois les gens avec des t-shirts blancs passe la balle. Vous allez compter, ensuite je vais vous demander en silence combien de fois vous avez compté. C'est bien dit tout ça? Ok. Vous voyez l'écran? Voilà, on va commencer. Ok, ne parlez pas. Levez la main si vous avez compté 8 fois. Ok, 9 fois. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Trop. Ok, on a tous vu la même vidéo, mais on a vu des choses différentes. Alors, levez la main ou mettez-vous debout si vous n'avez pas vu le gorille. Si vous n'avez pas vu le gorille, mettez-vous debout, stand up. Ah. Intéressant, ok. Asseyez-vous. On va regarder la vidéo de nouveau. On va compter tous ensemble. Et je vais vous dire quand le gorille apparaît. On va compter ensemble. Ok. 1, 2, 3. Comptez avec moi. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Voilà le gorille. Seize, c'est correct. Et il y a un gorille. Il y a un gorille. Alors, pourquoi ce vidéo? La question n'est pas ce que vous regardez, c'est ce que vous voyez. Et c'est ça la culture. Quand vous habitez dans votre culture et vous êtes partie d'une majorité, peut-être c'est facile de dire qu'on n'a pas de problème, on est tous égaux, parce que vous ne voyez pas des problèmes, vous ne cherchez pas les problèmes, vous ne devez pas vous parler de ces problèmes. Mais il y a des problèmes, il y a des perspectives différentes. Mais c'est difficile à chercher des perspectives différentes. Numéro un, si vous ne les cherchez pas. Numéro un. Et numéro deux, si vous ne croyez pas que les manières de vivre, des perspectives de vie différentes existent. Alors, quelqu'un disait tout à l'heure que pour avoir cette notion d'égalité, l'équité dans la salle de classe, il faut commencer avec les éducateurs, les professeurs, de regarder leur même culture. Et de comprendre que entre l'étudiant, le contenu et le professeur, il y a aussi ses identités et ses cultures. Alors, quelques bonnes pratiques pour ça qu'on utilise aux États-Unis. D'abord, c'est la représentation.
dans le leadership qu'on a, des gens différents, ce sont tous les hommes, ce sont tous les gens de la même école, ce n'est pas tous les blancs, c'est les cultures différentes, des gens différents pour avoir des perspectives différentes. Et aussi avec les professeurs. Aux États-Unis maintenant, on a 82% de nos professeurs sont des femmes blanches, avec une population des étudiants qui sont 52% pas blancs. L'inclusion, c'est différent de la diversité. Oui, on a parlé de ça. Le contenu, alors avoir des perspectives différentes, lire des auteurs différents dans la classe de sciences, de voir les contributions des femmes, des autres personnes. La musique, ce n'est pas seulement Bach, Vivaldi, Verdi que j'ai étudié au conservatoire, c'est des autres compositeurs aussi, tels comme Clara Schumann, qui était femme, qui a aussi écrit des morceaux intéressants. C'est le développement professionnel avec les professeurs, d'apprendre la culture et d'apprendre la pédagogie inclusive. Et avec la pédagogie, c'est l'enseignement culturellement pertinent. Et je vais parler de ça parce que c'est très important. L'enseignement culturellement pertinent est une expression qui a été créée par Gloria Ladson-Billings, un professeur des États-Unis de l'Université de Michigan, pour décrire une pédagogie qui autorise les élèves intellectuellement, socialement, émotionnellement et politiquement en utilisant des référents culturels pour transmettre des connaissances, des compétences et des attitudes. Cet enseignement signifie essentiellement que les enseignants créent un pont entre la vie de l'étudiant et la maison et la vie scolaire, tout en répondant aux attentes des exigences scolaires de l'État. Un enseignement culturellement pertinent utilise les antécédents, les connaissances, les expériences des élèves pour nourrir les leçons et la méthodologie de l'enseignement. Ça veut dire que la leçon que j'ai utilisée il y a 20 ans, je ne vais pas utiliser la même leçon aujourd'hui parce que le monde a changé et les étudiants sont différents. Ils ont des références différentes. Aussi, pour terminer, je vais parler de l'égalité, l'équité et la justice. Alors, ça c'est lequel? C'est l'égalité, la justice ou l'égalité? Ça c'est l'égalité. C'est donner la même chose à tout le monde, même s'ils ont des besoins différents, pour qu'ils puissent voir le jeu. C'est l'égalité. Ça c'est différent. Ça c'est l'équité. C'est donner à chacun ce dont il a besoin pour qu'il puisse voir le jeu de baseball. C'est différent. L'égalité, donner la même chose. Et la justice, c'est ça. C'est très différent. C'est de penser de comment on peut voir le jeu de baseball sans le faire comme on a toujours fait. C'est comme l'antidote que j'oublie son nom, mais j'ai bien apprécié avec les étudiants au Liban à Tripoli, elle dit. Il y avait la question des religions différentes, des bouffes différentes, si on va avoir le buffet. Les étudiants disent, on s'en fout complètement. Pour nous, c'est l'expérience d'être l'un avec l'autre. C'est examiner de nouveau. C'est ce qu'il faut faire comme éducateur. Alors, je vais terminer avec un proverbe sufi qui dit que vous croyez que si vous comprenez un, que vous comprenez deux, parce que un et un font deux. Mais vous devez aussi comprendre et. Et moi, je dis que c'est dans cet espace que la diversité vit. Merci. Merci, docteur Gay. Je trouve que ce serait pas mal d'avoir un petit échange avec la salle, non? Est-ce qu'on a des micros pour la technique? C'est possible? Personne ne répond. C'est formidable. On va les distribuer. Qui est-ce qui se dévoue, Michel? Monsieur le recteur, moi je croyais que tu voulais... Non.
Jean Romero. Oui, j'aurais une anecdote à dire qui va un peu dans le sens de ce que vous avez dit au niveau des enfants. Là, dans un collège de banlieue récemment, un enfant qui est agressé, et on lui demande qui l'a agressé, et il dit « c'est le noir ». Alors la professeure lui dit « on ne dit pas le noir, on dit Alain ». Mais ce n'est pas du tout Alain qui m'a agressé, c'est Robert. Le prof dit « mais Robert, il n'est pas noir ». Mais si, regardez son blouson. Oui. Ça arrive aux États-Unis, j'ai un ami qui fait le même boulot que moi, il travaille avec des écoles au sujet de la diversité. Il est noir, son meilleur ami, il est blanc, ils habitent, leurs maisons sont l'une à côté de l'autre. Alors, ils jouaient ensemble, mariés, des enfants, ils jouaient ensemble. Alors, il y a l'homme noir qui joue avec le petit blanc, oui, et son ami, son meilleur ami, qui est blanc, qui fait le barbecue. Alors, ils jouent ensemble et le petit blanc, il dit « Oui, j'ai la peau blanche, vous êtes, tu as la peau brune, noire, blanche, blanc. » Et le mec de diversité dit « Oui, très bien, noir, blanc, je t'aime, tu m'aimes, on est la même famille, Dieu nous a fait différents, mais ensemble, blablabla. » Et son ami dit « Non, même couleur, pas de différence. » Et on comprend ce que l'ami voulait faire. Il ne voulait pas que son fils reconnaisse les différences couleurs et qu'il donne une valeur à ça. Mais ce que le petit gamin apprend, c'est qu'on ne reconnaît pas les différences. Et ensuite, je ne vais pas vous parler des différences parce que vous n'êtes pas ouvert à cette conversation. Merci beaucoup de votre conférence. Elle est très suggestive et très intéressante. Suggestive. Unique, différente. Je voudrais savoir si aux États-Unis, Obama était noir ou était-il le président des États-Unis? Vous voulez entrer dans la politique? La réponse est oui. C'est comme quand je travaille avec les directeurs des écoles et disent on veut diversifier nos professeurs, on veut avoir plus, normalement c'est des gens de couleur, et dans les écoles privées c'est les noirs et les latinos, et ils disent est-ce que je veux le meilleur candidat ou est-ce que je veux une personne de couleur? Je dis oui. Il est noir et c'est un contexte très compliqué aux États-Unis parce que nous, noirs en France, noirs en Afrique, noirs aux États-Unis, noirs au Brésil, c'est peut-être un peu différent. Il y a une diaspora, n'est-ce pas? Mais aux États-Unis, noirs, ce qu'on appelle noir, ça a beaucoup à voir avec l'esclavitude, oui, l'esclavage. L'esclavage, oui, pour propriété. Donc aux États-Unis, si tu as un goût de sang noir, si tu as de la famille noire, vous êtes noir. C'est pour ça que Obama avait sa mère était blanche, son père était noir aux États-Unis, il est noir. Oui. Mais il était président pour tout le pays et bien sûr il était noir aussi. Et c'était très difficile pour lui, même si c'était un professeur d'Harvard, même s'il était toutes les qualités qu'on voulait, même s'il voulait faire du bien pour tout le pays, que les gens ne le voyaient pas comme, juste comme noir. Ouais. Oui, m'entendez? Oui, bonjour. Vous travaillez sur les thématiques de la discrimination, sur les stéréotypes, et avec des enseignants, j'imagine. Est-ce que vous pensez que, compte tenu du contexte des États-Unis, ce travail, l'apport de l'éducation va finir par changer quelque chose dans tout cela? Je l'espère bien. C'est la raison pour laquelle que maintenant je fais le boulot que je fais, je n'enseigne pas la littérature espagnole. Oui, c'est ce que je faisais avant. Je crois que, surtout aux États-Unis, c'est la seule institution avec laquelle tout le monde a
une expérience soutenue. Alors, c'est obligatoire l'école, de l'âge de 5 ans jusqu'à 18 ans. Alors, on a beaucoup d'opportunités avec le contenu, avec la représentation. On commence même aux États-Unis, ça dépend. On n'a pas un système d'éducation aux États-Unis, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le pays. On a des États différents, donc on a des systèmes différents. Et aussi, on a bien sûr le public et privé. Mais on commence à regarder ces thèmes avec les étudiants dans la maternelle. De voir que ça va parler de la race, ça va parler du genre différent. Et on sait que les stéréotypes du genre à l'âge de 5 ans, c'est déjà commencé. Les petits gamins de 5 ans qui disent « je ne veux pas choisir cette couleur rose parce que ce n'est pas pour les garçons. Je ne veux pas faire ça parce que ce n'est pas pour les garçons. » Ou les filles, on fait beaucoup de la recherche, on leur demande « est-ce que vous croyez que vous pouvez être présidente des États-Unis ?» Aux gamins, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, il n'y a pas de différence statistique entre les gens. Ça commence à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Elles apprennent parce qu'elles ne se voient pas dans la littérature, elles ne se voient pas dans le leadership. Donc il faut commencer à parler, comment on dit en espagnol, sans poil dans la langue, on dit en espagnol, directement de ces choses. Et pas d'une manière, parce qu'il y a des gens qui disent aussi, si vous parlez de la différence, c'est ça le problème. Non, c'est pas. Les problèmes existent. Le problème, c'est de ne pas parler de différences. Mais aussi, il faut parler, comme quelqu'un disait tout à l'heure, de commençons similaires aussi. C'est les deux. C'est toujours balancer les deux. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci pour cette intervention. Et vous avez utilisé un mot qui avait fait débat en France il y a quelques. Vous l'utilisez d'ailleurs souvent dans votre propos. C'est le mot race. Et je profite de l'occasion d'avoir un Nord-Américain en face de moi pour demander qu'est-ce qu'on met derrière le mot race aux États-Unis d'Amérique ? D'une perspective sociologique ? Justement, est-ce que c'est une perspective ? Est-ce que c'est sociologique ? Est-ce que c'est culturel ? Est-ce que c'est historique ? Quand oui. on parle de race, oui. qu'est-ce qu'on met derrière ? Oui, alors la race, pour définir, c'est une. Je traduis maintenant, c'est une construction sociale. Qui n'a rien à voir avec la biologie, bien sûr, même si on pensait d'ailleurs qu'on avait des races, des gens différents, des êtres humains différents, qui on utilise pour interpréter les différences superficielles des êtres humains, couleur du peau, le nez, etc., pour justifier une distribution inégale des ressources. Et voilà. Et au-delà de ça, on a commencé, bien sûr, il y a la race historique qui commence à changer. Aussi aux États-Unis, on a des gens, comme vous dites en France, des métis, qui disent « je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc, je suis les deux et j'ai une expérience différente ». On a aussi des gens... un cas connu avec une femme qui est née blanche et elle a dit qu'elle voulait être noire. Donc elle s'est changée, elle s'est mis les tresses et tout ça. Elle s'est mise dans une communauté noire. Elle a dit à tout le monde qu'elle était noire. En fait, elle était présidente. Vous connaissez cette histoire ? Elle a dit qu'elle était présidente. Elle était présidente d'un NAACP, c'est une organisation pour les noirs, juste pour découvrir qu'elle n'était pas noire. Mais elle a dit qu'elle se sentit noire. Donc on est en train de débattre. C'est quoi d'être noir ? C'est quoi d'être blanc ? Si c'est une construction sociale, la partie historique, etc. Donc oui, à tout ce que vous avez dit. Et c'est très compliqué. Mais c'est compliqué aussi parce qu'on a aux États-Unis aussi une idéologie, ce qu'on appelle colorblindness. Alors c'est refuser que la race existe et c'est refuser que la race détermine comment on va naviguer le monde. Ça veut dire que moi, autant qu'un homme noir, je vais avoir la même expérience qu'un homme blanc. Si je travaille fort, et c'est pas vrai. Et on commence à utiliser des gens, en fait, moi je parle de ça, et disent, mais vous êtes
Vous êtes professeur à l'Université de Pennsylvanie. Vous avez étudié à Oberlin, à Colombie. C'est un Ivy League, mais vous êtes un exemple de ce qu'on peut faire. Oui, je suis un exemple, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et aussi, moi, j'ai des barrières aussi. Bonjour, Eric. Bonjour. Alors, j'ai la chance de bien vous connaître. J'ai eu la chance de participer à un de vos ateliers. Et souvenez-vous, quand on faisait le tour de table, en fait, et que chacun se présentait sa fonction, en fait, le dénominateur commun était le mot diversité. Donc, il y avait des directeurs de la diversité, des personnes qui étaient directeurs, je vais un peu être provocateur en disant, du programme de l'athlétisme, mais aussi de la diversité, parce qu'il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Donc, ça, c'est la première partie de ma question. Donc, est-ce que dans d'autres pays que vous visitez, est-ce que vous retrouvez ce même besoin? Donc, est-ce qu'il y a aussi un directeur de diversité donc, une question qui s'applique aussi à tout le monde, au Maroc, en Tunisie ou autre. Et la deuxième partie de ma question, c'est est-ce que vous êtes optimiste, ou plutôt peut-être même pessimiste, qu'un jour ou l'autre, vous allez vous retrouver out of business et que vous allez peut-être revenir à vos premiers amours, parce qu'on sera tous des directeurs de la diversité, de l'équité et de l'inclusion? Oui, merci. C'est une bonne question. Vous comprenez, directeur de diversité aux États-Unis, ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui, c'est un administrateur qui s'en charge de la culture de l'école, aussi de parler, d'organiser les événements pour les professeurs, le développement professionnel pour les professeurs, pour parler de la pédagogie, du curriculum, pour parler avec des parents, l'éducation, de parler avec les étudiants, de parler de l'admission, et de tout ce genre de choses. Je n'ai pas vu ça hors des États-Unis, même en Angleterre, mais je crois que c'est vraiment parce que l'histoire et la culture des États-Unis, un pays très grand, un pays d'immigrants, un pays qui avait 400 ans d'esclavage, où les esclavages ont resté dans le pays même. Donc, il fallait toujours aborder ces questions. Dans les autres pays, Europe, c'est différent parce que vous aviez les colonies. Donc, eux, ils étaient ailleurs. Donc, quand ils ont eu l'indépendance et eux, ils ont commencé à venir chez vous, c'est là que vous commencez à avoir des problèmes, à aborder les problèmes que nous avons beaucoup d'expérience à aborder. Le Brésil, c'est différent. Ils avaient l'esclavage jusqu'à 1886, 87, je crois. Mais aussi avec la géographie et la manière dont ils ont évolué, la race, surtout avec ce qui est noir, ce qui n'est pas noir, c'est très différent. Donc, je dirais, directeur de diversité, comme ça, le titre, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais d'avoir quelqu'un qui s'adresse à ces questions d'une manière spécifique avec la culture, c'est très important. Ce qu'on sait, que ça ne va pas passer si on pense qu'on est tous égaux et on laisse faire. Bon, la stratégie de laisser faire, ça fait qu'on a les gens qui se sont inclus, les gens qui se sont exclus. Et si on ne voit pas... Écoute, quand je parle avec, on va parler des Noirs, j'ai des amis français, j'ai des amis allemands, j'ai des amis noirs, italiens, j'ai des amis brésiliens, on parle des mêmes choses. Quand je regarde les vidéos en français pour préparer pour ma présentation, et je regardais, il y avait une vidéo des filles noires qui parlaient, c'était mot pour mot ce que les filles noires aux États-Unis disent. Ah, si quelqu'un me dit une fois encore, oui, je suis allé en Afrique, je voulais tous les adopter. Oh, si quelqu'un me demande, est-ce que vous pouvez vous bronzer? Si quelqu'un me demande si je peux tousser vos traces, c'est les mêmes choses que les Brésiliens, les Anglais, les Américains disent. Alors, vous avez les mêmes, je ne dirais pas problèmes, les mêmes tensions, on va dire, mais je crois que le cadre est différent. Je vais le dire comme ça. Ouais. Merci. Une
Une dernière question, merci Derek. Une dernière question avec Bertrand Ferré, Dallas. Merci Michel. Merci Derek pour ton intervention. J'ai une question qui concerne, est-ce que tu as constaté dans le travail que tu mènes auprès des écoles une évolution dans la prise en compte de la diversité avec le contexte politique américain et la nouvelle administration? Désolé pour la question. On ne peut pas discuter ça après. C'est très difficile. Et c'est très difficile pour moi parce que je sais, je travaille dans tout le pays, je travaille dans les grandes villes, Chicago, New York, San Francisco, Boston. Je travaille dans le sud aussi, Atlanta, Memphis, où on a des idées différentes, on va voir. On a des gens qui ont voté pour le président des États-Unis et les gens qui ont des cauchemars tous les nuits, tous les soirs. Alors moi, pour être efficace, pour être effective, je suis apolitique, c'est un mot. Alors je pars de la mission de l'école, je pars des valeurs humaines, et je ne dis pas si le président des États-Unis est d'accord avec ou pas, mais je dis, c'est quoi important pour vous comme une école? Et je dois admettre que j'ai travaillé dans les écoles, dans où il y avait beaucoup de gens qui ont voté pour le président. Ils n'étaient pas contents qu'on m'avait invité. Mais après l'intervention, ils m'ont dit, j'apprécie votre point de vue. Vous ne m'avez pas attaqué comme républicain. Et même si on n'est pas... on ne voit pas les choses de la même manière, je pourrais au moins apprécier votre perspective. Et ce que j'ai appris aussi, c'est qu'on a tous, en républicain, démocrate, droite, gauche, on a normalement des valeurs en commun. Et si on peut utiliser ces valeurs en commun, je crois qu'on peut pousser cette conversation dans la bonne direction. Merci. Merci, Derek. Je rappelle que cette réflexion va se poursuivre mardi, oui, puisque vous nous faites le plaisir de rester parmi nous, avec cette fois une implication dans un dialogue avec Ron Canuel, n'est-ce pas? Et pour envisager les perspectives d'une transformation pédagogique, oui, hein, qui permette de prendre en compte les différences, les identités, dans une pédagogie active qui résulte là encore de l'expérience et de votre réflexion. Merci. Et maintenant un temps de respiration.